de travail, ça l'année là, il finit, comment dire, envahi, bouleversé par sa cri d'angoisse et de souffrance qui finit retentir dans nos pays devant la montée des prix de manière article essentielle. Surtout la nourriture de base. Une montée des prix qui donne, comment dire, un coup de massue, un choc à les plus pauvres dans nos sociétés. Comment dire, la pression de leurs autres est insupportable. Mais ça, il concerne nous tous. Alors aujourd'hui, dans nos situations, nous aussi, population bien découragée, tracassée, angoissée même, et qui fait en colère même, devant cette augmentation des prix qui est brutale. Et une augmentation qui, malheureusement, est capable de durer, est capable de longue. Alors, du monde tracassé. Tracassé dans, comment dire, dans notre trip. Et, comme on nous connaît, quand un jeune peut souffrir, il a une tendance pour crier. Ou bien il a une tendance à faire des ordres. C'est vrai. Je ne peux pas approuver la violence du tout dans ce qu'il me peut dire. Mais je peux dire, si nous les soignons ce bande du monde-là, rentrons dans notre la peine, nous devons comprendre qui est là derrière ce désordre-là, qui est là derrière ce crier-là. Tout bonne maman connaît ça bien. Quand un enfant crie, il fait un signifiant. Si vous dites arrêtez, il peut arrêter. Si vous criez avec lui, il peut arrêter. Non, il ne peut pas arrêter. Mais si vous le comprenez, qui est là, qui fait, qui a fait un peu de gêne, lui, quand sa souffrance, il est là. Il peut être correct. Il peut être correct. Alors, nous aussi, nous devons comprendre qui fait du monde crier. Qui fait qui a de souffrance et rentre dans sa souffrance-là. Et pareil comme Jésus aussi, rentre dans la souffrance et partage avec les autres ce qui nous est là. Jésus finit de faire ça, de gagner un peu de poisson, il finit de mettre un petit peu de poisson, de l'eau d'y fait, il partage. Mais l'idée, en même temps qu'il y partage, il dit aux autres capables, aux autres dans la vallée, aux autres capables, apporte une solution aux autres aussi, un bout de cette solution. Alors ici, dans nos souffrances, je crois, nous besoin encourage beaucoup le partage et aussi encourage la contribution de chaque personne pour les capables de gagner cette dignité. Déjà, peut faire lire quand beaucoup de gens peuvent faire un jardin solidaire, comme ici même dans la ferme Okono et les autres endroits encore, comment une boutique solidaire qui peut faire dans plusieurs endroits. Et me tendez là, que c'est une boutique-là qu'il faut pour faire arriver un petit peu plus nombreuses. Et les autres faire aussi. Et moi, je me trouvais, M. Rodrigue, semaine dernière, je me trouve autres là-bas. Les autres faire toute qualité de petites recettes, comme une confiture, comme un achat, et les autres vendent. Mais beaucoup de monde qui fait ça. Et capable de gagner un petit avis ou apporter une petite contribution avec sa qualité des affaires-là. Comme on dit il y a longtemps, Monsieur Marjou, tu dis ça. Beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits sont capables de faire beaucoup de petites choses. Beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits sont capables de faire beaucoup de petites choses.